Bon, désolé, c'est intéressant, mais on va passer à quelque chose d'un peu plus con, à savoir les jeux vidéo. Alors, coucou mes chéris, allô, c'est Barbie chez Tiff à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct pour ces achats à chier du 17 septembre. Alors en fait, j'ai enfin la réponse. J'avais pas compris la dernière fois, je m'étais dit c'était le... J'avais eu les jeux à 50%. Et maintenant j'ai le fin mot de l'histoire, en fait c'est tout con, hein. C'est pas du tout que j'ai réussi à rouler le revendeur, c'est que c'est dans le cash là. En fait c'est que si on achète deux jeux PlayStation, ils disent qu'il y en a deux offerts. Le problème c'est que les deux autres ne sont pas gratuits. Et comme ils n'ont pas tous le même prix, ils ont décidé de faire 50%. Donc là vous allez voir que tous les jeux, à part les jeux Game Boy, tous les jeux, ils étaient à 50, je les ai eu à 50%. Ce qui fait que ce que j'ai pensé... Mais c'était trop tard, c'était dans la bagnole du retour. C'est qu'il faut prendre deux jeux chers et deux jeux à 1€. Ce qui fait que vos deux jeux chers, vous les avez à moitié prix. Donc voilà. Alors on commence avec un jeu très important pour ma collection qui prend de la gueule. Alors Guirou Manager 2001, s'il vous plaît. 50 centimes. Donc là, 50 centimes. Je vais juste vérifier. Les jeux PS1, non, il me l'a laissé à 50 centimes. Il m'a pas fait de remise. On passe maintenant au jeu PS2, hein, beaucoup de rythme dans cette vidéo, donc je rassure les gens, je travaille énormément sur les Retro Satanas Gaming Show, et du coup j'ai envie de me détendre le slip et je vous fais des vidéos à l'arrache pour le reste. Donc là au final 50 centimes Street Ops, ouais, je dis directement le prix une fois qu'il a été fait là avec la truc, donc complet 50 centimes Street Ops. Ensuite Armored Core 2, simplement 2, complet, donc là je l'ai eu à 1,95€, il est, aïe, complet, encore une fois, complet, donc j'ai le 3 et j'ai le 4 sur PS3, je déteste ce jeu, j'y arrive pas à m'y faire, mais bon, ah là c'est bizarre, c'est pas, ah non, il y a From Software, j'ai vraiment choisi la lumière pour que ce soit cool, après pareil, Zone of Zender, ce que j'ai eu à 2,95€, non, je sais même plus que 2,45€, oui voilà, 2,45€, Donc voilà, j'ai pas pris que des jeux de merde, donc Zone of the Enders, complet. Aïe, complet, on va juste voir l'état du CD en direct. Ouais, ça va, il est très bien, donc 2,45€ ce jeu-là, ça fait plaisir Konami. Et j'ai même le petit fascicule de MGS2, simplement 2, donc ça c'est rigolo. Parce qu'il y a peut-être la démo, c'est ça? Il y a la démo de MGS2, voilà, je connais pas du tout, hein. Et voilà, c'est pour... J'achète des jeux de merde et j'achète aussi des bons jeux même. Après, donc du coup, Downtown Run, la technique de bon... On prend un bon jeu et on prend un jeu de merde, ce qui fait qu'on les a à 50%. Donc là, 50 centimes, Downtown Run. Ubisoft, donc peut-être c'est un bon jeu. Aïe, complet. Bon, pareil, très intéressant. Ensuite, Fallout 8, je le vois à chaque fois, j'hésite, hein, parce qu'à chaque fois, j'avais pas trop compris la technique, je vais pas mettre 5€ dans ça. Fallout Brotherhood of Steel. Donc là, vous voyez pas, mais il est complet. J'ouvrirai le truc après. Par contre, voilà, c'est un peu con parce que ça s'est abîmé. Donc, bon, ça sert à rien, c'est juste un sticker. Mais bon. Il n'y avait pas d'autre version, il n'y avait que celle-là. Après, pareil, un jeu de merde. 1,50€ du coup. Virtua Pro Football. Complet. C'est Sega, alors c'est peut-être bien fait. Si c'est comme Virtua Striker, c'est pas quoi. Après, pareil, il fallait des jeux de merde pour combler. Donc, j'ai pris NHL 2K6. 50 centimes, complet. Un jeu de je sais pas quoi, là, de hockey. Et enfin, MX Superfly, 50 centimes, pareil, complet. Là, j'ai pris parce que c'est Ricky Carmichael. Et quand je vous avais testé, ben, je sais pas, oui, c'est Supercross, non, Motocross Championship featuring Carmichael sur PS1, j'avais trouvé ça vraiment très bien comme jeu. Alors, je me suis dit que peut-être, encore une fois, Carmichael, il allait parrainer un bon jeu. Donc, ça, je l'ai pris. Donc, 50 centimes. Et maintenant, on passe au jeu Game Boy. Voilà, alors ils sont tous à 1€, ils sont tous à 1€, nous avons FIFA 87, alors je vous ai testé International Superstar Soccer 99 sur Game Boy, il était atroce, donc peut-être que là c'était encore la bonne époque, on sait pas, World Cup 98, 1€, 1€ Dinosaurs, donc ça va s'enlever avec de la collette 90, mais bon, selon les types d'étiquettes, ça peut aussi effacer les couleurs de l'étiquette. Lui je l'ai déjà, mais je l'ai pris parce qu'il y avait la boîte transparente, c'est Titi et Grominé. Titi gros bidet, désolé au canal. Donc j'ai déjà, lui c'est peut-être pour le faire gagner dans un concours de merde. Donc je rassure les gens, j'ai plein de jeux
de merde ou pas de merde que je mets de côté exprès pour le concours, mais toujours pareil, je n'ai pas encore l'idée, parce qu'il faut que je fasse un concours où je vais pouvoir départager les gens de façon assez facile, et sans qu'il y ait possibilité d'utiliser du speedrun, ou plutôt du tout l'assisté de speedrun. Donc, je sais pas, j'ai la flemme, hein. J'attends de... Donc ça, il sera peut-être à gagner. Après, j'ai pris ça à 1€, pareil. Donc là, vous voyez qu'il est à 1€. Gargoyle's Quest, c'est un très bon jeu Game Boy, j'aimerais bien avoir sur NES, mais bon, ou sur Super NES. Donc ça, c'est la version française ou européenne, je l'ai déjà, mais un jeu comme ça à 1€, on a envie de l'avoir, quoi. Ça se refuse pas. Lui, par contre, je suis vraiment une belle salope. Lui, je compte pas le faire gagner au concours, vous voyez. Je préfère pas mentir, je vous ferai gagner Titi Grominé, aucun problème. Alors, Gargoyle Quest, comme je suis une vraie pute, je me le garde. Après, Hook, ça je l'avais pas. Donc, je l'ai pris 1€, toujours pareil. Je vais pas répéter à chaque fois 1€ parce que. Verali, 1€. Voilà. Faut y mettre Sega. Je l'ai déjà sur Super, sur Nintendo 64 et sur PS1. Bon. Chicken Run, oui, je sais plus si je l'avais déjà ou pas. Chicken Run, je sais plus. Je crois que je l'ai, mais il n'y a pas la même jaquette, ou alors j'ai pas trop fait, ou alors je l'ai revendu depuis. Donc on verra ce que c'est. Après, A Bug's Life, lui, je vous ai fait le test sur PS1, mais bon, j'ai beaucoup de vidéos à venir en fait. Là, j'ai calculé, c'est le truc, c'est n'importe quoi, j'en suis conscient. Je suis au moins à 100 et quelques vidéos d'avance, qui sont déjà sur le compte en privé. Et donc j'ai 100 et quelques vidéos d'avance. Donc ça, il sera sur PS1, j'ai déjà fait le test. Après, Revenge of the Gator, je l'ai déjà. Lui aussi, je peux le faire gagner sur au concours. Là c'est la version espagnole, alors peut-être je vais le garder. Ça c'est un très bon jeu de flipper, sympa. Donc Crocodou il aime bien. Après, Fidgets, je sais pas ce que c'est, Elite. J'espère que c'est un bon jeu de plateforme, en plus c'est la version allemande. J'espère que c'est un jeu de plateforme incongru, en tout cas bien sympathique, on connaît pas. Donc lui je me le garde. Et enfin, Astérix et Obélix contre César. Game Boy Color, donc j'ai testé Astérix et Obélix sur Game Boy normal, c'est un jeu de merde pour moi. Pareil, mais comme j'ai 100 vidéos d'avance, vous avez pas encore le... Quand vous verrez cette vidéo, de toute façon, vous n'aurez pas encore les autres jeux testés. Donc au final, on fait le compte, je suis allé dans une boutique, j'ai acheté 21 jeux, et au final j'ai dépensé 21,60€. Donc je suis content, je suis cocu mais content. J'ai eu 21 jeux, 21 pour 1€ chaque jeu, et il n'y a pas eu que des merdes. Hein. Donc, y a eu Brotherhood, plutôt ma Fallout. En fait c'est les seuls deux bons jeux, hein. À la rigueur j'aurais dû acheter que ces deux-là, mais j'avais envie d'avoir les autres, donc je fais un peu ce que je veux. Sur ce, ciao Pépito pour une prochaine vidéo. Moi je vais retourner à écouter des choses un peu plus intéressantes que les jeux vidéo, j'ai un petit peu m'intéresser justement. En plus c'est un beau sujet, l'indépendance de l'audiovisuel public, donc moi je vais m'intéresser à ça. J'avais un peu suivi, en plus là ça m'étonne parce que j'avais déjà vu. Ça s'appelle les commissions, je sais que vous en avez rien à foutre, mais moi ça m'intéresse. Ça c'est des commissions, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur du Parlement. Ils font des commissions, ils interviewent des gens, des interviews, ils interrogent des gens, donc ils peuvent interroger les ministres, les machins. Et là, quand il y a un sujet, au lieu de regarder la télé, d'écouter un débat sur Canal+, par exemple, où vous avez que en trois mots, expliquez-nous le sens de la vie, ou alors en un mot, la philosophie c'est quoi, bon... Moi je préfère écouter une commission, ça dure pendant une heure et ils interviewent quelqu'un. Alors bien sûr ces gens préparent leurs propos et tout, mais au moins c'est un débat un peu plus large, un peu plus approfondi plutôt que large, sur tel ou tel point. Donc ça s'appelle la culture et moi ça me sert pour mes reviews de merde, pour les gens qui savent pas. Je regarde un peu ça et autre chose. Donc je vais me remettre ça, je vous dis ciao Pépito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces. Donc là il serre les pompes. Là il fait le rôle du président, il veut dire je suis au-delà du débat, voilà il s'élève. Voilà. Allez il balance sur France Télé, ouais il fait le mec, je suis prendre la hauteur, je veux pas descendre dans le caniveau de balancer des trucs et au final il te balance dans la gueule que lui fait 100% et France Télé ne fait que 29%. Ça c'est j'adore, ouais c'est ces petites choses comme ça qui servent après pour les entretiens d'embauche, des trucs comme ça. La vraie vie quoi.